Démission, Castaner. Démission. Démission, Castaner. Démission. Voilà, nous sommes ici autour de l'Arc de Triomphe. Vous voyez ces images en direct des centaines de policiers qui encerclent tout autour l'Arc de Triomphe pour cette action coup de poing où ils jettent leurs menottes au sol, autour de l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe est juste ici, hein, vous le voyez à l'image. Les véhicules de ces forces de l'ordre sont juste là. Alors attendez, hop, voilà, au niveau de la technique, les véhicules sont ici. Les policiers jettent progressivement toujours leurs menottes ici. Cette pancarte Police Lives Matter en réponse aux manifestations Black Lives Matter que vous pouvez voir. Et donc vous avez des policiers tout autour de l'Arc de Triomphe. Donc vous voyez, hein, plusieurs centaines de policiers qui encerclent actuellement l'Arc de Triomphe ici. Ils viennent de jeter symboliquement au sol leurs menottes. Leurs véhicules sont sur la route au niveau du rond-point de l'Étoile. On est à l'entrée des Champs-Élysées. Vous avez donc de nombreux policiers qui sont présents. Vous le voyez à l'image. Tout autour de cet Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe est juste ici. Ouais, ce sont plusieurs centaines de policiers qui participent à cette action, dans ce mouvement que l'on connaît hein, depuis maintenant une semaine, suite aux propos de Christophe Castaner. Ils se sont sentis stigmatisés, heurtés par les propos du ministre de l'Intérieur, et également sur la technique d'interpellation dite de l'étranglement qui leur a été retirée. Ils protestent contre le retrait de cette technique d'interpellation et espèrent que le gouvernement reviendra sur cette décision. Hein. Vous voyez ces policiers qui sont tout autour de l'Arc de Triomphe. Les véhicules sont ici, gyrophare allumé, c'est assez. Les véhicules de police, hein, vous les voyez, sont ici tout autour de l'Arc de Triomphe. Vous avez des véhicules de la police nationale, des véhicules de la BAC 75N qui sont à l'initiative de cette mobilisation ce soir, qui ont été rejoints notamment par d'autres policiers de nuit, par les syndicats qui ont rejoint ce mouvement. Et vous voyez donc sur ces images en direct ces nombreux véhicules de police tout autour de l'Arc de Triomphe hein, qui sont là actuellement. Avec ces nombreux véhicules, vous les voyez à l'image. Action à nouveau, coup de poing, comme je vous disais. Ces policiers qui se sont sentis stigmatisés par les propos de Christophe Castaner en début de semaine et qui manifestent. Alors le message, il est très clair de leur côté, c'est de dire non, la police n'est pas raciste, non, la police n'est pas violente et on ne souhaite pas à ce que les techniques d'interpellation qui sont les nôtres aujourd'hui soient remises en cause. Cela nous empêcherait de pouvoir intervenir efficacement sur le terrain. Ils souhaitent que le ministre de l'Intérieur revienne sur sa décision. Et vous voyez donc ces policiers qui sont tout autour de l'Arc de Triomphe, comme je vous disais, plusieurs centaines. Aux armes,
Voilà, sur ces images en direct, vous voyez donc plusieurs dizaines de véhicules de police qui sont tout autour de l'Arc de Triomphe actuellement. Si vous nous rejoignez, bonsoir à toutes et tous. On est ici donc pour vous montrer ce qui se passe au niveau de l'Arc de Triomphe. Une action symbolique, encore une fois, mais une action assez forte ce soir au niveau de l'Arc de Triomphe, où vous avez donc plusieurs centaines de policiers qui actuellement sont tout autour du monument. Ça fait vraiment le tour, ils sont physiquement présents et vous avez les véhicules qui sont sur la route. On fait le tour de cette passe de l'étoile. Alors une action ce soir qui démontre clairement le malaise au sein de la profession et le fait que malgré les propos de Christophe Castaner hier, la réponse après les entrevues avec les syndicats, eh bien cette mobilisation elle se poursuit et on pourrait même dire qu'elle s'amplifie ce soir parce qu'il n'y a jamais eu ce soir autant de policiers mobilisés pour une action comme celle-ci depuis le début de ce mouvement. Clairement on peut dire que ça monte d'un cran ce soir avec un message assez fort donc envoyé auprès du ministre de l'Intérieur. Vous voyez les différents véhicules gyrophares allumés tout autour de cet Arc de Triomphe. Alors, comme je vous disais, cette initiative est passée hors syndicat. C'est la BAC de nuit, dite la BAC 75N. Donc, la BAC 75, département Paris, N pour nuit, qui était à l'initiative de cette action. Mais ils ont été rejoints par de nombreuses autres personnes, les policiers qui travaillent de nuit, qui se sont joints à cette mobilisation. Les syndicats, des représentants des syndicats de Unité SGP, Alliance ou encore UNSA sont notamment présents aussi sur place. Et vous voyez que vous avez donc cette chaîne humaine de policiers tout autour de l'Arc de Triomphe. Alors, symboliquement, ils ont jeté leurs menottes au sol. C'est cette action qu'on a notamment pu voir devant de nombreux commissariats en France ou devant des préfectures.
Voilà des images donc en direct ici, hein. Nous sommes au niveau de la place de l'Étoile, sur le haut des Champs-Élysées, face à l'Arc de Triomphe, hein. Vous avez donc plusieurs centaines de policiers qui ont participé à cette action, dont beaucoup sont encore présents actuellement. Reconnaissable pour certains en tenue parce qu'ils font cette action en étant en service. Pour d'autres, ils sont venus en dehors de leur service apporter leur soutien à cette action, mais la plupart des policiers que vous voyez à l'image le font pendant leur service. Ils sont en tenue avec leur véhicule. Et donc ça se déroule juste devant l'Arc de Triomphe. Pas pu vous empêcher, hein. Voilà, bonsoir à tous et tous, on est ici en direction brute devant l'Arc de Triomphe. Vous voyez donc plusieurs centaines de policiers ce soir ont répondu à l'appel pour manifester donc contre les propos de Christophe Castaner en début de semaine. Ils veulent dénoncer sur le ce qu'il serait une sorte de stigmatisation de leur profession, une haine anti-flic, et ils demandent au ministre de l'Intérieur de revenir sur ses propos concernant les techniques d'interpellation qui ont été jusqu'à maintenant
supprimer notamment la technique d'interpellation dite de l'étranglement qui a été annoncée par Christophe Castaner lundi. Les policiers dénoncent le fait qu'ils n'ont pas été concertés avant cette prise de décision et souhaitent que le ministre de l'Intérieur revienne sur cette décision. Hier, malgré 2 jours de concertation avec les syndicats, le ministre de l'Intérieur, dans une lettre, a dit qu'il maintenait cette annonce qui a été faite lundi. La technique d'interpellation dite d'étranglement est supprimée et ne sera plus enseignée en école de police. En tout cas, merci d'être avec nous. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, donnez votre avis. Êtes-vous solidaire ou non de ces revendications? Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas, voilà, l'espace des commentaires, liberté d'expression, à vous de réagir. Voilà, c'est donc une nouvelle action coup de poing qui se déroule ce soir au niveau de l'Arc de Triomphe. Tout a commencé depuis mercredi. Depuis mercredi, vous voyez ces policiers déposés devant leur commissariat ou devant leur préfecture, leurs menottes au sol. Il y a eu hier une action où une centaine de policiers se sont rendus devant la place Beauvau, à côté de l'Elysée. Et ce soir, c'est donc à nouveau une nouvelle action avec de nombreux policiers qui sont présents. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les seules personnes que nous pourrons éventuellement interviewer dans les prochaines minutes, ce sont les représentants syndicaux qui sont là ici, notamment d'Alliance, d'Unité SGP ou encore d'UNSA, qui sont venus se greffer à cette action ce soir, parce que les policiers ont un droit de réserve et ceux qui n'ont pas de mandat syndicaux ne peuvent pas s'exprimer librement au micro des journalistes. Ça veut dire que si j'allais par exemple interviewer ce monsieur, s'il répond à mes questions à visage découvert, il pourrait potentiellement être sanctionné par sa hiérarchie pour un manquement au devoir de réserve. C'est ce qui est déjà arrivé à certains policiers qui se sont exprimés, soit au travers des réseaux sociaux, soit sur d'autres supports, soit dans les médias. Et c'est comme ça qu'ils ont pu être sanctionnés, notamment par leur hiérarchie, notamment l'IGPN. Vous voyez donc à l'image actuellement ces nombreux véhicules de police autour de l'Arc de Triomphe. Cette action, les premiers policiers sont arrivés aux alentours de 23h30 et vous voyez de nombreux véhicules qui sont sur place.
Voilà, on est juste devant l'Arc de Triomphe, hein. Vous voyez le monument juste ici. Voilà, on va peut-être essayer d'aller. Alors, je sais pas si on pourra l'entendre. On essaiera de l'avoir en interview juste pour nous, juste après. Vous voyez, il y a des représentants syndicaux qui sont là ici, notamment Johan Maras, qui est délégué syndical au syndicat Alliance à Paris, et qui du coup répond aux questions des nombreux journalistes qui sont présents ici. Alors. Ah, ça c'est bien comme ça. Ouais, ouais. Tu vois pas, hein. Voilà, si vous nous rejoignez, bonsoir à toutes et tous. On est en direct sur Brut ici. Au niveau de l'Arc de Triomphe, place de l'Étoile à Paris, plusieurs centaines de policiers qui ont participé donc à une action coup de poing non déclarée, hein, vous l'imaginez bien. La préfecture n'aurait jamais autorisé à ce qu'une manifestation ait lieu sur l'Arc de Triomphe. C'est la même chose pour toutes les autres actions des policiers. Elles ne sont pas tolérées par la préfecture. Enfin, elles ne sont pas acceptées, mais elles sont tolérées, on va dire. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autorisation en bonne et due forme. Mais ils laissent faire ces actions. Comme celle d'hier, il est vrai que c'est assez inédit ce qu'on avait vécu ensemble en direct sur Brut, où vous avez vu une centaine de policiers arriver devant la place Beauvau. Des images assez improbables parce que tout autre métier, toute autre corporation qui aurait souhaité s'approcher de l'Élysée, du ministère de l'Intérieur, aurait été bloqué bien avant. Et les policiers ont réussi hier à s'approcher devant le ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, c'est la place de l'Étoile où ils sont en train de mener à cette action actuellement. Toujours en cours, hein, vous voyez ces policiers qui, pour certains, font durer leur action en tournant autour de l'Arc de Triomphe.
avec leur véhicule de fonction. C'est ça aussi qui est assez inédit parce que plusieurs points. Ce que je vous disais, c'est que les policiers, notamment, normalement, n'ont pas, y a pas un droit de parole pour tout le monde. Un policier qui n'a pas de mandat syndical ne peut pas s'exprimer dans les médias librement. Il peut le faire à visage masqué, mais s'il est identifié, c'est assez risqué et péril. C'est parfois toléré quand il n'y a pas de mise en cause de la hiérarchie ou autre, mais de façon générale, ce n'est pas autorisé. Donc, les seules personnes qui peuvent s'exprimer au niveau des forces de l'ordre, ce sont les représentants syndicaux, ceux qui ont un mandat syndical. Les autres ne peuvent pas le faire. Par contre, les policiers ont le droit de manifester. Ils peuvent, on l'a vu l'année dernière, il y avait une manifestation déclarée à l'initiative de plusieurs syndicats. C'était début octobre. Alors, c'était d'autres revendications. C'était des revendications qui étaient liées aux conditions de travail, les manques de moyens humains, matériels, le manque de reconnaissance de la part de leur hiérarchie, même si c'est quelque chose qu'on retrouve à nouveau aujourd'hui sur le manque de reconnaissance de la part de leur hiérarchie. Ils peuvent manifester dans les clous déclarés, mais là on est sur des actions coup de poing qui passent donc en dehors de toute forme de déclaration. Il n'y a pas eu de déclaration en préfecture de ce type d'action et elle a lieu donc ce soir, action coup de poing sur les Champs-Élysées, à l'entrée des Champs-Élysées, sur la place de l'Étoile. Et c'est donc actuellement que vous voyez donc ces images en direct. Plusieurs centaines de policiers étaient à un moment présents sur cette place de l'Étoile. Certains sont partis depuis. Et restez avec nous, on va essayer de faire des interviews juste après quand ce sera un peu plus calme. Là avec tout le bruit des véhicules de police, c'est un peu compliqué de s'entendre. Mais dans un instant, on va aller à la rencontre d'une ou deux personnes qui eux peuvent s'exprimer. Ce sont donc ceux qui ont des mandats syndicaux qui peuvent le faire et à visage découvert. Alors oui, ce que vous dites dans les commentaires, c'est vrai, le Conseil d'État a levé en fin de journée les interdictions de rassemblement, de manifestation, c'est-à-dire de regroupement de plus de 10 personnes. C'est-à-dire que théoriquement, les manifestations sont toujours autorisées. Je la connaissais, pas qui vous stimule à travers, elle s'est suicidée, c'était la vie, je la connaissais. C'était leur abus. Moi, ça fait depuis 7 ans que je trouve, que je suis, je suis venu à la 4 heures. Moi, déjà, je fais ma famille. Je suis venu à la 4 heures, j'ai investi un dossier. Rejoins-les. Moi, je suis victime de la police, mais je suis victime de la police. Merci.
Voilà, il y a un monsieur qui vient d'intervenir à l'instant qui est pas très. Voilà, il y a un monsieur qui est pas très content de cette action, qui lui vient dire moi je suis victime de la police. Et qui est venu exprimer son mécontentement sans qu'on en connaisse forcément tout le fond de sa pensée, mais qui vient de venir hurler son mécontentement de cette action des forces de l'ordre ici. Il n'y a rien qui est enregistré, d'accord ? Parce que je n'étais même pas là-bas. Et c'est comme ça qu'on arrête les gens pour les juges. Voilà l'arrêt de la France. Le dossier, je l'ai. Et je suis prêt à le montrer. Je suis prêt. S'il y a un journaliste, je l'attends. Un journaliste qui a les couilles, qui vient de me voir. Je lui sors le siège, je lui montre. Avec le nom des brigadiers, le nom des juges, le nom de commissaire principal. J'ai tout. J'ai absolument tout. En France, la police viole les droits de l'homme. Et lorsqu'on s'est dit, j'ai bien mis au service. D'accord, c'est un mur. C'est pour toi, c'est pour toi, il te fait. Et si je suis venu jusqu'ici pour dire ça devant eux, c'est que j'ai des éléments solides. Mais si ni la justice, ni les services concernés ne veulent le savoir, alors j'invite Castaner, j'invite le ministre de la Justice, j'invite le président de la République de bien vouloir se saisir du dossier et d'admettre les fautes des violations de droits de l'homme commises par l'État français. Voilà. Mon nom, c'est Sergio Casareto. Voilà, donc ce monsieur qui, à l'instant. La police française de violation des droits de l'homme. Donc l'État français. Ils sont capables de faire ce dossier. Voilà, donc, ils sont capables de tout. Que l'on sache. Voilà, donc ce monsieur n'est pas très content de ce qui se passe ici. Il venait apporter son mécontentement vis-à-vis de cette action des policiers. Il dit que les forces de l'ordre sont coupables de plusieurs choses, de certaines violences notamment, de certaines situations. Il incrimine l'État et les policiers. Et il a exprimé donc son mécontentement. Il est venu l'exprimer avec beaucoup de vigueur, beaucoup de force, ce monsieur, juste devant cette action des policiers qui est toujours en cours. Alors ça se disperse progressivement, hein, vous le voyez à l'image actuellement, hein, les policiers qui sont en train tout doucement de regagner leur poste, leur travail, parce qu'il faut savoir que nombreux des policiers qui étaient là l'ont fait durant leur service. Voilà, ils sont en tenue de travail, donc ce qui veut dire que si vous les voyez en tenue de travail, c'est qu'ils sont en service, en début de service pour la plupart, parce que minuit c'est le début de service, mais vous les voyez, hein, c'est vrai que c'est assez unique, hein, vous les voyez ici donc avec leur véhicule. Il faut savoir que les policiers ont le droit de manifester, il y a un devoir de réserve. Les représentants syndicaux tels que ce monsieur avec à qui on va parler dans un instant, lui a le droit de s'exprimer. Par contre, là où il y a des choses, c'est notamment à travers les véhicules. Normalement les véhicules ne peuvent pas être mobilisés pour des manifestations. Donc ça, c'est d'autres points, c'est pour vous expliquer un peu le contexte d'un point de vue légalité, ce qui est légal, pas légal, en termes de manifestation et d'opération de ce qui se passe actuellement. Voilà, donc vous voyez, hein, plusieurs centaines de policiers qui ont participé à cette action ici à Paris, où ils ont symboliquement jeté leurs menottes au sol, ce qui démontre que malgré la réponse qui a été apportée par Christophe Castaner hier, les actions dans la police continuent et on pourrait même dire s'amplifient, parce que ce soir on a quand même franchi un cran de voir plusieurs centaines de policiers venir devant l'Arc de Triomphe tout autour du monument, jeter leurs menottes au sol. On va essayer de voir éventuellement peut-être d'écouter un policier peut-être. On va essayer de voir. C'est pas finalement ce qui fait raciste, c'est Aboudo qui a fait déborder le vase. Nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas, nous ne pouvons pas l'accepter. Les propos du ministre ont été très durs envers les forces de l'ordre. Nous attendions un geste de soutien vis-à-vis des forces de l'ordre et là on a l'impression que le ministre lâche complètement ces forces de l'ordre. Il faut juste rappeler au ministre que les forces de police sont là pour soutenir l'État. Nous sommes le dernier rempart face à l'anarchie. Nous avons été là pour les attentats, nous avons été là pour les gilets jaunes, nous avons été là pour faire respecter les règles de confinement du Covid-19. Et nous sommes toujours là, nous étions là encore cet après-midi, place de la République. Tout s'est passé dans le calme, ce ne sont pas les policiers qui ont été violents. On est venu au contact, on a agressé des policiers. Nous, quand nous agissons avec violence, c'est que nous sommes obligés d'avoir une action violente. 99% des interpellations se passent sans violence, les gens nous suivent sans incident. C'est une minorité d'interpellations qui se passe très mal, parce que nous avons affaire à une population violente qui ne veut pas
des lois de la République qui ne veulent pas se laisser interpeller. Et donc nous sommes obligés de riposter à la violence par des réponses proportionnées, avec des armes dites intermédiaires, telles que les tasers, telles que les grenades d'encerclement. Mais ce n'est jamais de manière volontaire, c'est toujours face à une réponse. Vous êtes de ceux qui demandent la démission du ministre ou pas ? Je n'ai pas à m'exprimer sur ce commentaire. Il n'y a aucun racisme. Il n'y a, à ma connaissance, aucun racisme dans la police. Nous travaillons avec des policiers de toutes origines. Je suis équipé avec une fille d'origine maghrébine depuis 10 ans. Il n'y a pas de racisme entre nous. Nous sommes des policiers, nous sommes solidaires. Nous travaillons tous les jours avec des policiers de différentes religions, de différentes origines. Ça se passe très très bien dans tous les services. La police maintenant, la police, elle est à l'image de la société. Nous sommes représentés de la société. Vous dites vous représentez la société, mais dans la société, le racisme, il existe. Pourquoi il n'existerait pas au sein de la police, selon vous ? Peut-être qu'il y a des gens qui ont des convictions personnelles, mais nous ne les exprimons pas. Nous gardons nos opinions pour nous. Voilà, c'est tout. Putain, il y a des groupes. Voilà, bon, alors ce policier à l'instant qui, lui, justement, s'exprimait. Voilà, hop. On va essayer de tenir le téléphone maintenant parce que là il y a la batterie qui est en train de lâcher au niveau de... Hop, juste bougez pas, je vais essayer de remettre ça correctement et hop. Ça va un petit peu tanguer sur les prochaines minutes, sur les dernières minutes, mais là il est un peu... C'est pas grave, voilà, il y a le chargeur du stabilisateur qui vient un peu de me lâcher. Il y a une longue journée aujourd'hui, hein, parce que je vous cache pas qu'on a suivi ensemble la manifestation d'abord Place de la République aujourd'hui. Vous étiez très nombreux à suivre ce rassemblement qui s'est déroulé Place de la République, qui lui tenait un message différent. Faut savoir qu'on est vraiment dans un contexte où cet après-midi, Place de la République, vous avez plusieurs dizaines de milliers de personnes qui étaient présentes pour dire leur mécontentement, dénoncer le racisme dans la police, les violences policières, parler pour certains d'un racisme d'État aussi également, que certains veulent revendiquer et expliquer dans leur revendication aujourd'hui Place de la République à Paris. Et puis de l'autre, vous avez des policiers qui renversent la table et disent non, ce qui est évoqué par ces manifestants, ça n'a rien à voir, ce n'est pas la police, il ne faut pas faire de généralité, il ne faut pas faire d'amalgame. Et donc ça, c'est quelque chose que... Où vous voyez donc en l'espace d'une journée, vous avez deux mobilisations, ce qui s'est passé Place de la République à Paris et ce qui se passe ce soir avec une réponse pas forcément frontale à ce qui s'est passé cet après-midi, mais tout de même en partie, on l'a vu hier, les différentes prises de parole syndicales, elles allaient répondre à ces manifestations, elles allaient répondre à certains commentaires sur les réseaux sociaux qui donnent à la majorité de la profession des propos racistes ou autres, et c'est ce qu'ils voulaient démentir ce soir. Avec on est Yohann Marinski notamment. On va peut-être se mettre. Alors il y a un petit peu de vent ici, on va se mettre juste là. Il y a un peu moins de. On va pas devoir parler fort, sauf si. Enfin, parce qu'il y avait les gyrophares qui étaient encore allumés il y a quelques instants. Nous expliquer quel est un peu le mot d'ordre de ce rassemblement ce soir devant l'Arc de Triomphe, c'est quand même assez fort. On voit des dizaines de véhicules, des centaines de policiers tout autour de ce monument. On a l'impression que ça monte d'un cran quand même ce soir. Alors ce soir, la mobilisation, elle n'est pas à l'appel des syndicats de police, elle est à l'appel de la BAC 75M, donc c'est la BAC Nuit de Paris qui a appelé via les réseaux sociaux et un message WhatsApp les collègues d'Île-de-France à se rassembler pour montrer leur mécontentement suite aux propos tenus par le ministre de l'Intérieur en début de semaine. On a, c'est un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, si je puis dire. Ça fait des mois, des années que mes collègues aujourd'hui... Là aujourd'hui, ces propos, clairement, mes collègues, ils se sentent lâchés, abandonnés par leur ministre de tutelle. Et c'est des choses que nous, on dénonce. Mon organisation syndicale a appelé hier à une action au même endroit, sur les Champs-Élysées et derrière, devant la place Beauvau, avec d'autres syndicats de police. Et on était là pour dénoncer exactement les mêmes choses. Alors hier, le ministre de l'Intérieur vous a répondu, parce qu'on rappelle, on contextualise, lundi, il y a eu ces propos de Christophe Castaner qui vous a dérangé. Il y a eu des concertations donc jeudi et vendredi avec le ministère de l'Intérieur. Il y a eu une réponse par courrier à ces entrevues. On voit ce soir finalement que ça n'apporte pas une réponse à vos revendications. Non, parce que la réponse, déjà, elle ne va pas assez loin. Et malgré tout, le ministre de l'Intérieur, il a répondu qu'à une partie, il nous a expliqué qu'effectivement, il avait eu des propos un petit peu déplacés sur la suspicion de propos racisme et le fait de suspendre un fonctionnaire police en cas de suspicion. Et il est revenu sur ce qui est déjà appliqué aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un fonctionnaire police qui va
thérapie, ce qui peut arriver, mais c'est une minorité de mes collègues. Il va être poursuivi et il va être sanctionné en cas de fait avéré. Par contre, il n'est pas revenu sur les techniques d'interpellation et dans le courrier qu'il nous a écrit, il nous dit toujours que la technique dite de l'étranglement, elle va être retirée, qu'on va mettre en place des commissions de travail pour essayer de trouver une autre technique pour pouvoir la remplacer. Mais j'ai envie de répondre qu'on prend le problème à l'envers. Mettons en place ces commissions, trouvons une technique aussi efficace que la technique que nous on appelle du maintien tête, qui permet aujourd'hui à un fonctionnaire de police d'interpeller en protégeant son intégrité physique et de pouvoir interpeller quelqu'un de virulent en toute sécurité. Trouvons une technique aussi efficace que ça, et le jour où cette technique est trouvée, ben on pourra la remplacer. Mais là aujourd'hui, dire aux fonctionnaires de police, on enlève cette technique-là, puis on va commencer à réfléchir, moi, mes collègues, aujourd'hui, ils ne peuvent pas accepter ça. Comment répondre à une partie de la population qui exprime une certaine défiance vis-à-vis de la police, qui va dire, y a une certaine forme d'impunité quand des policiers sont auteurs d'actes violents ou de propos racistes. Comment on arrive à rétablir ce lien de confiance, mais il y a quand même des messages forts qui sont exprimés par une partie de la population. On l'a vu encore cet après-midi, place de la République, où des personnes expriment des messages et disent nous, on considère que il n'y a pas une exemplarité totale au sein de l'institution. Mais aujourd'hui, cette minorité, on donne la parole à une minorité. Je pense que vous avez pu voir que ces derniers jours, il y a des sondages qui sont parus où 80 à 85% de la population française soutient la police nationale. Aujourd'hui, c'est une minorité qui est anti-flic, mais c'est une minorité qu'on dérange très souvent dans les quartiers parce que mes collègues vont intervenir dans des quartiers difficiles, déranger du trafic de stupéfiants, et on a effectivement une infime partie de la population qui est en défiance. Maintenant, mes collègues, on parle de violence policière, c'est des propos qui sont dévoyés aujourd'hui. La police nationale peut utiliser la violence, mais c'est une violence qui est légitime, qui est encadrée par les textes. Et aujourd'hui, quand vous devez répondre à quelqu'un de violent, on utilise une violence qui est proportionnelle et qui est légitime pour pouvoir... Mais du coup, pour vous, est-ce qu'il y a quand même des messages à prendre en compte? Est-ce que pour vous, il y a quand même des choses à réformer? Ou finalement, ce serait de dire c'est une haine anti-flic et il n'y a rien à dire, circuler, il n'y a rien à voir. Pour vous, est-ce qu'il y a vraiment... Il n'y a aucun malaise au sein de l'institution, il y a quand même des choses à revoir. Mais aujourd'hui, la police nationale française, c'est la police la plus contrôlée, la plus surveillée, la plus sanctionnée d'Europe, voire du monde. Vous voulez rajouter quoi? Aujourd'hui, ce qu'il faudrait se poser comme question, c'est pourquoi on en est là avec cette infime minorité de la population. Et aujourd'hui, c'est un effort dans l'autre sens qu'il va falloir faire. C'est aller combattre justement cette haine anti-flic. Et ces propos qui sont tenus par, encore une fois, une infime minorité de la population. Et certains vont vous répondre de dire, par exemple, dans les manifestations Gilets jaunes, on a eu pour l'instant que deux policiers qui ont eu des condamnations sur des centaines d'actes qui font pour l'instant l'objet d'une enquête. Et certains disent, ça va pas assez vite, ça va pas assez loin, il n'y a pas assez de sévérité, on ne suspend pas des policiers dès lors qu'il y a des faits qui pourraient justement les incriminer. Vous répondez à ça? Mais si aujourd'hui mes collègues n'ont pas été sanctionnés, n'ont pas été poursuivis, c'est peut-être qu'il y a une bonne raison. Et pendant les manifestations de Gilets jaunes, moi j'ai eu des centaines de collègues qui ont été blessés par des manifestants. La violence qui a été utilisée, encore une fois, c'est une violence qui est proportionnelle et qui est légitime. Donc si vous avez des collègues qui sont poursuivis et qui sont sanctionnés, c'est qu'effectivement on va considérer qu'ils ont utilisé soit des violences illégitimes, soit disproportionnées. Si aujourd'hui mes collègues ne sont pas sanctionnés, c'est que la violence qui a été utilisée, c'est une violence qui est considérée aujourd'hui par la justice comme légitime. Aujourd'hui, moi, les fonctionnaires de police, quand ils travaillent dans les quartiers, je vous assure qu'ils ont exactement les mêmes propos envers la justice française. Mes collègues qui sont blessés et qui déposent plainte contre des individus, on se plaint justement d'avoir des rappels à la loi systématiques pour des gens qui s'en prennent à la police nationale et qui s'en prennent au rempart de l'État aujourd'hui. Donc il faut faire confiance en sa justice. Nous on le fait, et pourtant très souvent les décisions de justice ne nous conviennent pas. Donc si mes collègues ne sont pas poursuivis, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Et ce serait quoi l'idée d'être plus sévère pour tout le monde, d'être plus sévère face à la délinquance, d'être plus sévère aussi pour les policiers qui manqueraient à leurs devoirs au quotidien? Parce qu'en fait ce discours que vous tenez, on l'entend aussi de l'autre côté. Comment on arrive un peu à recréer ce lien de confiance? Je rebondis dessus, mais cette police de demain, on l'entend au travers de certains témoignages, les gens disent pas on veut pas de police, il y a peut-être certains, mais d'autres vont dire on aimerait que ce soit différent, qu'il y ait
plus de sévérité. Vous, j'entends aussi votre discours qui dit la même chose vis-à-vis de la délinquance. Ça veut dire quoi? Une sévérité plus forte pour tout le monde? Mais aujourd'hui, si demain la justice française faisait son travail, on n'aurait pas du tout cette défiance envers la police nationale. Si vous regardez nos collègues européens, essayer de lever la main sur un policier, c'est une sanction ferme qui va arriver tout de suite derrière. Et le respect de la police nationale, il passe aussi par une sévérité de la justice. La suite, c'est quoi maintenant? On a vu ce qui se passe ces derniers jours. Ça a commencé mercredi avec les jets de menottes, ce qu'on a vu encore ce soir. Comme je dis, on a l'impression que ça passe un cran vu le nombre de policiers qui étaient présents ce soir. Ça veut dire quoi? Que le mouvement, il va s'amplifier, il va prendre une forme encore plus dure dans les prochaines heures, les prochains jours? Mais si demain, le président de la République, qui doit prendre la parole justement demain soir, réaffirme pas un soutien plein et entier envers sa police nationale, et si on n'a pas des messages forts qui sont passés, oui, il va falloir s'attendre à ce que le mouvement prenne de l'ampleur et que des actions de police soient encore de collègues policiers soient encore menées, effectivement. Notamment la technique d'interpellation, on a vu les propos de Christophe Castaner, dont il en a nuancé une partie dans la lettre en réponse. Tout tourne aujourd'hui autour notamment de cette technique d'interpellation. Alors il y a deux choses, il y a effectivement la technique d'interpellation et puis il y a surtout, une cassure qui a été créée par le ministre de l'Intérieur et il va falloir qu'il regagne la confiance des policiers qu'il a perdu en début de semaine. On a entendu certains policiers scander Castaner démission, alors c'était pas nombreux mais quelques-uns. Est-ce que la démission du ministre de l'Intérieur ça peut être une solution pour apaiser les choses? Est-ce que vous la réclamez? Non, pas du tout. Aujourd'hui, il faut juste comprendre que le ministre de l'Intérieur, c'est un membre du gouvernement, c'est un fusible. Changer de ministre, mais pour garder exactement les mêmes propos, ça ne fera pas avancer le débat. Monsieur Castaner, il va devoir regagner la confiance de sa police. Ça va devoir passer par des discours de soutien, encore une fois, des discours forts. Et il va falloir qu'il amène des garanties à ses policiers demain. Mais changer de ministre de l'Intérieur, si on reste exactement sur la même doctrine, ça ne fera pas avancer le débat. Très bien, bah merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à mes questions en direct. Je vous en prie. Yann donc délégué syndical Alliance sur le Paris. Et donc voilà, donc les choses sont en train de se terminer tout doucement. Vous voyez les derniers policiers qui viennent de quitter l'Arc de Triomphe, hein. Ils étaient plusieurs centaines. Alors moi je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce qu'il est déjà tard, mais je vais vous laisser avec le replay de ce direct qui vous permet de voir ou revoir cette action. Plusieurs centaines de policiers qui sont donc venus ce soir exprimer à nouveau leur mécontentement. On suivra les prochaines actions éventuellement en live s'il y en a d'autres, hein. Vous avez vu les syndicats ce soir qui évoquent le fait que ça pourrait s'amplifier, prendre une force supplémentaire si Christophe Castaner et le président de la République ne reviennent pas sur certaines décisions et sur certaines paroles. On sait que le chef de l'État va prendre la parole demain à 20h, hein, Emmanuel Macron. On suivra ça en direct sur Brut. Activez les notifications, vous avez la possibilité en bas, le bouton en bas qui vous permet d'activer les notifications, de partager le live ou sinon vous téléchargez l'application Brut sur Android ou App Store, elle est gratuite, BRUT, vous activez les notifs et comme ça vous recevez une notif dès qu'on passe en live et vous pouvez également lire nos vidéos et retrouver l'ensemble de nos publications en dehors des réseaux sociaux. Je sais que certains ne veulent pas forcément regarder les réseaux sociaux tout le temps, vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur l'application Brut qui centralise un peu tout ça. Donc voilà, et puis sur les lives, comme je vous disais, normalement, quand vous arrivez sur le live sur Facebook et vous ne suivez pas encore, vous avez la possibilité de le faire en suivant. Il y a un truc qui est marqué « Activer les notifications en direct » et donc vous pourrez le faire. Et comme je vous disais, on se retrouvera au plus tard mardi pour suivre la mobilisation du personnel soignant à Paris. Il faut savoir qu'ils réclament plus de moyens pour l'hôpital public et on sera là mardi pour suivre, comme on a suivi cet après-midi, la manifestation du collectif « Justice et vérité pour Adama, place de la République ». À voir en replay, hein. Le replay il est disponible sur la page Facebook et vous pouvez le retrouver tout de suite. Un peu plus bas, on a passé 3 heures sur la place de la République, on vous a montré également comment ça se passait, plusieurs prises de parole, plusieurs témoignages également. Et vous avez vu, on a été au cœur de l'actualité aujourd'hui pour vous montrer cette manifestation cet après-midi et puis celle des policiers ce soir qui portent finalement toutes les deux des messages assez différents. On voit que le dialogue a l'air assez compliqué, est-il même rompu? C'est une question qu'on peut se poser parce que de part et d'autre, on voit que chacun a ses idées, a ses convictions qui sont opposées l'une de l'autre. Hein. Vous avez entendu ce soir via les syndicats de police en disant pour eux, ils dénoncent ce qui serait plutôt une infime minorité, des personnes qui seraient plutôt anti-flics et puis de l'autre, des manifestants qui disent il y a du racisme dans la police, il n'est pas assez combattu. Donc pour l'instant, on est dans une situation qui est un peu statu quo de part et d'autre. On a l'impression que des manifestations répondent de l'une à l'autre. Ce mouvement, il est aussi né des manifestations qu'on voit né du mouvement Black Lives Matter, ce qui est de retour en France, avec ces différentes mobilisations depuis ce qui s'est passé avec George Floyd aux États-Unis. Les policiers, en réponse à cela, en réponse surtout aux propos de Christophe Castaner, qui est né de cette mobilisation et de ce qui s'est passé aux États-Unis, veulent qu'il n'y ait aucun amalgame fait sur leur profession et sur l'ensemble des policiers.
N'hésitez pas à nous suivre. Pour ceux qui souhaitent me suivre, vos commentaires, vos retours, vos feedbacks, c'est juste ici. Vous avez mon compte Instagram qui est juste là. N'hésitez pas à me suivre. Mon compte Facebook est en description du live. Sur Twitter également, je vous posterai une ou deux vidéos peut-être en plus sur mon compte Twitter de ce qui s'est passé ce soir. Donc n'hésitez pas à venir me suivre. Rémi Buzyn, les comptes sont authentifiés. Vos retours, vos feedbacks, vos idées, vos suggestions, vos retours également en commentaire. Parce que comme je vous disais, si je suis sur le terrain, c'est pour vous informer. Donc vos retours sont extrêmement précieux. N'hésitez pas à me faire vos feedbacks. Je serai ravi de les lire. Très bonne fin de journée, très bonne nuit à toutes et à tous. Prenez soin de vous et de vos proches, bon week-end et on se retrouve au plus tard mardi, pour la mobilisation du personnel soignant. Ce sera en direct sur Brut, comme on a suivi cet après-midi la manifestation du collectif Vérité pour Adama avec les différentes prises de parole à voir en replay. Merci à vous. On va, je vous laisse donc, n'hésitez pas. Suis Brut, vous avez les différents comptes que je vous ai donnés et au plaisir de vous lire, d'avoir vos feedbacks, vos retours à ce live et les précédents, lire vos retours, vos critiques avec un grand plaisir. Je coupe le live et je vous dis bonne nuit, je vous laisse avec une vue de l'Arc de Triomphe. Voilà, bonne nuit.